Merci Jésus, parce qu'il n'y a pas un autre Dieu sans toi, mon Père. Merci parce que c'est toi celle qui est le Dieu des nations, le Dieu de paix. Merci parce que c'est toi celle qui est au-dessus de tout notre Dieu. C'est toi qui réponds notre Père quand on te prie, on te cherche notre Dieu. C'est toi qui interviens dans nos vies, notre Seigneur. Mon âme est tournée vers toi parce que j'ai besoin de toi. J'attends de toi beaucoup de choses, mon Père. Tu as dit que tes attentes ne seront jamais déçues. Tes attentes ne seront pas vaines. C'est pourquoi je viens à toi, mon Seigneur, en ce moment. C'est pourquoi je viens à toi, Seigneur, notre Dieu. Pour me confier à toi parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur, le Seigneur des gloires. Parce que tu es un Dieu qui répond, Seigneur, au milieu de tes peuples, dans ton peuple. Mon Dieu, je viens à toi. Mon Dieu, je viens à toi. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu des grâces. Tu es le Dieu de l'intervention rapide. Tu es le Dieu qui agit au-delà de ce que nous pensons, que nous demandons. Mon Dieu, mon Seigneur, je viens à toi. Car quiconque se confie à toi ne sera jamais déçu. Ceux qui ont eu la foi en toi, Seigneur, ont obtenu les témoignages favorables. Voilà pourquoi, Père, moi je tourne vers toi. Pour, Seigneur, attendre de toi, oh mon Dieu. Pour attendre de toi un secours. Pour attendre de ton intervention. Parce que tu es le Dieu souverain. Le Dieu d'amour. Le Dieu de fidélité. Le Dieu de miséricorde et de justice. Alléluia. Oh, le Père éternel, ceux qui se confient à toi ne sont jamais déçus, mon Père. Ceux qui maintenant confiance en toi ne sont jamais déçus, mon Seigneur. C'est pourquoi je me tiens devant toi, parce que tu es un Dieu, Seigneur, souverain. Tu ne te réponds pas de ce que toi tu as dit. Tu agirais par toi-même. La vérité ne sort que de ta bouche, Seigneur. Et tu tiens à accomplir ce que toi tu as promis, mon Seigneur. Oh Dieu, je m'accroche à tes promesses. Je m'accroche à tes promesses. Car, Seigneur, il y a ceux qui ont obtenu les promesses parce qu'ils ont eu la foi, ce que toi tu as dit. Mon Seigneur, je mets ma confiance en toi. Ma confiance en toi, pas à un homme. Ma confiance en toi, pas à un homme. Abracoché, crée, babara, moussadara, babababa, babababa. Yeshua Jinanga, Urangi Bipe, Chiwewewe To, Murangi Mipe, Yeshua Jinanga. Oh mon Père, je viens à toi parce que tu es le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est au-dessus de tout. Le Dieu de souveraineté, le Dieu de grâce. Je te lève infiniment, notre Dieu. Je te loue de tout cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit, mon Seigneur. Je veux que ton nom soit glorifié dans ma vie. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit exalté. Parce que tu es le souverain potier. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de grâce. Tu commences avec moi, Seigneur, Seigneur. Oh, tu vas partir avec moi, Seigneur. Dans la dimension que toi t'attends de moi. Voilà pourquoi je vais te bénir. Voilà pourquoi je vais te louer, mon Seigneur. Chabro Kosa Karababa Rakoshe Kere Babababa. Oh Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Chabro Kosa Kariaba Brokoto Kosa Kariababa. Rebre Koso Korea Brakata Kosa Kara. Era Brakata Kosa Kariababa Rakoshe. Rabre kotoko sataria baba, Maria koroba boko toko sataria baba, Rubra kata ko sataria baba, Eya brakata ko satara baba, Rize koriaba groko toko sataria baba. Merci papa, merci mon Dieu, mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu. Shibra baba rako shikara baba baba baba, Yebre ko satara baba 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 baba, Eya brakata ko satara baba baba baba. Yebre koto ko santara baba baba baba. Nangi bipe. Yesu atinanga. Oh Jésus, tu es l'unique Dieu, le véritable, le souverain potier, celui qui était, qui est, qui vient, celui qui existait par soi-même, celui qui fit trouver digne d'ouvrir le rouleau dans les cieux, Seigneur. Tu es le seul Dieu, le principe de la création. Celui qui sait si le trône est élevé, assis à la droite du Père, le Dieu juste et fidèle, celui qui intercède à ma faveur, tu es le principe de ma création, tu es l'image de Dieu invisible, tu es la source de mon salut,
Tu es ma justice. Tu es ma vie. Mon chemin, ma vérité. Oh Jésus, à qui je peux m'adresser, pas à toi, Seigneur. À qui je m'adresse, ce n'est pas à toi, Seigneur. Oh Rabraka Shakara Baba Baba. Mibre Kotoko Sakaria Baba Baba. Eh Yabrakata Kosakaria Baba Baba. Zubrakata Kosakaria Mana Yokoro Baba. Eh Yabrabarako Shenderia Baba. Ura Brakata Kosataria Baba. Maria Broko Toko Satravara Kosheteria Baba. Rusa Breko Toko Sandaria Baba. Ura Brakata Kosandaria Baba. Era Brako Sakrababa. Mabrako Toko Sandra Baba. Rappelez Kotoko Sakrababa. Oh Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Pendant ces 5 jours, Père, manifeste-toi. Tu réponds, Seigneur, à nos attentes. Tu réponds à nos attentes. Car toi, tu agis. On est là de ce que nous pensons et de ce que nous te demandons. Notre Dieu agit. On est là de nos attentes. Notre Dieu agit. On est là de nos attentes. Notre Dieu agit. On est là de nos attentes. Notre Dieu agit. On est là de nos attentes. Parce que tu accomplis, Seigneur, des choses qui dépendent de notre entendement. Mon Dieu, je t'ai pris, Père. Je t'ai pris, mon Seigneur. Que tu accomplis, Père, des choses, Seigneur. On est là de mes attentes. On est là de mes attentes. On est là de mes attentes. Et je témoignerai ton Seigneur. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, sois doué, sois adoré. Sois manifeste, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ce soir. Merci pour ce que tu as accompli à ce moment. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Oh Dieu, merci. 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 Merci mon Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint qui opère. Merci pour ton Esprit Saint qui veut, Seigneur, agir. Qui veut travailler au travers de quelqu'un. Fais de moi qu'un instrument. Dépose à moi tes révélations pour que j'annonce à ton peuple, Seigneur. Dispose le cœur de quelqu'un, Seigneur, qui a des attentes auprès de toi pour qu'il en trouve des réponses. Mon Dieu, mon roi, tu es le Seigneur, tu es le souverain, tu es le Dieu des grâces, tu es le Dieu des nations. Personne ne serait semblable à toi. Tu réponds, Seigneur, aux prières de ton peuple, aux prières de ceux qui tournent vers toi, aux prières de ceux qui te cherchent, Seigneur. Tu as dit, tu n'as pas dit, Seigneur, au fils de Jacob, de te chercher sans fin. Car lorsqu'on te cherche, Père éternel, tu as quelque chose à faire. C'est pourquoi, Père, je t'ai béni. C'est pourquoi, Père, je t'ai loué. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le véritable Dieu. Béni soit-il le Seigneur de gloire. Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Merci, mon Dieu de grâce. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour les bien-aimés, frères et sœurs qui me suivent d'habitude et qui me suivent ces enseignements que je démarre à partir de ce jour. Que le Tout-Puissant continue encore à vous visiter, à vous assister et surtout à vous bénir grandement, grandement, car il y a quelque chose que Dieu prépare pour chacun de nous, quelque chose que Dieu est en train de préparer pour pouvoir nous donner. Voilà, bien-aimés, nous sommes là au premier jour de notre session d'enseignement et prière du mois de juin, et qui est d'ailleurs le mois de juin qui est le mois des résultats de nos attentes. Donc c'est un mois des résultats de nos attentes, telle est notre cible prophétique. Mois des résultats de nos attentes. Et les sous-thèmes que je développe pendant les 5 premiers jours du mois s'intitule Qu'attends-tu de Dieu? Qu'est-ce que toi tu attends depuis longtemps qui n'est pas encore réalisé? Qu'est-ce que toi tu attends de la part de Dieu que tu attends qui n'est pas encore réalisé? Qu'est-ce que tu attends depuis longtemps dans tes prières? Qu'est-ce que toi tu attends dans ta vie? Qu'est-ce que toi tu attends dans tes désirs? Qu'est-ce que toi tu attends? Qu'est-ce que tu attends au fond de toi? Ce que tu attends là, Dieu a besoin de te l'accorder si tu as la foi en lui, si tu mets ta confiance aussi en lui. Dieu va devoir t'accorder ce que tu attends de lui. Que le Tout-Puissant soit loué. Bien-aimés, puisque tous nous attendons quelque chose de la part de Dieu, il est vraiment dit dans Ésaïe au chapitre 45, je vais lire au verset 19, il y a quelque chose de bien que le Seigneur a dit dans Ésaïe 45. Au verset 19, le Seigneur a dit, je n'ai point parlé en cachette dans les lieux ténébreux.
Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Le Seigneur dit, il n'a pas dit au fils de Jacob, il n'a pas dit aux descendants de Jacob de les chercher en vain. Il n'a pas dit aux enfants de Jacob de les chercher en vain. Par contre, il avait dit qu'on les cherche parce que ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il annonce, il exécute. Voilà pourquoi il a dit au fils de Jacob de ne pas les chercher en vain. Mais lorsque nous cherchons le Seigneur, vous allez remarquer que dans le livre de Éphésiens 3, il est dit dans Éphésiens 3, la Bible dit que, verset 20, Dieu agit au-delà de ce que nous demandons et au-delà de nos attentes. Au-delà de ce que nous demandons et au-delà de nos pensées. Donc Dieu répond à l'être humain au-delà même de ses attentes. Au-delà même de ce qu'il avait demandé. Et ça, c'est ce que nous apprend la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Mais en ce jour, nous sommes au premier jour de notre enseignement qui est intitulé « Quant à ti ?» Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Ou qu'attends-tu de Dieu? Ou qu'attends-tu de Dieu? Dans la vie, chaque attente qui brille au fond de nous finit toujours par se réaliser ou par s'accomplir. Ce qui brille, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est ce qui brille au fond de notre cœur. Ce qui brille, c'est ce qu'on reçoit. Ce qu'on reçoit, c'est ce qui a été souvent brillant au fond de notre intérieur. Donc, nous ne pouvons pas expérimenter autre chose que ce qui brille au fond de notre intérieur. Dieu soit loué. Si au fond de nous, nous n'avons pas des attentes, nous n'attendons de rien ou à rien. Donc nous allons aussi rien avoir. Celui qui sème attend la récolte. Il a semé pour attendre une récolte. Celui qui est malade attend une guérison. Celui qui étudie attend de bons résultats pour ses études, une réussite. Celui qui est célibataire attend trouver un homme, une femme pour se marier. Et celui qui est marié attend avoir des enfants. Celui qui a fini des études attend trouver du travail. Donc au fond de l'être humain, il y a un désir insatisfait. Un désir non accompli qui amène l'être humain à chercher le Seigneur. Si jamais vous sentez que vous êtes satisfait de ce que vous faites, déjà, vous êtes dans l'erreur grave. Parce que vous devrez avoir un désir toujours brillant d'aller encore plus loin, plus loin, plus loin encore. Quelqu'un a dit dans les Écritures, il a dit, oh Dieu, conduis-moi vers les rochers que je ne puis toucher. Il dit, conduis-moi, oh Dieu, vers les rochers que je n'ai pas encore touchés. Cela veut dire, lorsque tu arrives à un niveau, donc il y a encore un autre que tu n'as pas encore expérimenté. Il y a encore un autre que tu n'as pas encore touché. Il y a encore un autre que tu n'as pas encore expérimenté. C'est pourquoi la personne de David qui a dit, conduis-moi vers les rochers que je n'ai pas encore touché, oh Dieu. Donc il était loin, il voulait quand même expérimenter la puissance de Dieu. Il voulait voir Dieu agir dans sa vie. Il dit, oh Dieu, conduis-moi vers les rochers que je n'ai pas encore touché. Du bout de la terre, j'écris que tu me conduis vers les rochers que je n'ai pas encore touchés. Nous sommes dans Ésaïe au chapitre 61, verset 3. Si nous lisons verset 2, il dit, oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à mes prières. Du bout de la terre, j'écris à toi, le cœur abattu, conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre.
Conduis-moi sur les rochers que je n'ai pas encore touchés. Au fond de mon cœur, je sens quelque chose. Ça brille. Je sens un désir d'aller vers les rochers, d'aller toucher ce que je n'ai pas encore touché. Et beaucoup de gens se limitent à ce qu'ils ont déjà touché. Ils se disent, c'est bon pour moi, c'est limité pour moi. Et donc Dieu va te limiter là où tu te limites. Mais quand les désirs sont dans le cœur, quand il y a des attentes insatisfaites, quand tu te dis, mais j'attends encore, plus que tu attends, plus que Dieu travaille pour l'accomplissement, plus que tu attends, plus que Dieu va chercher à amener ces choses dans ta vie pour qu'il y ait réellement l'accomplissement. Mais quand tu te dis, c'est fini pour moi, ben c'est fini. Donc, ça veut dire c'est fini aussi. Abraham, à 100 ans, il attendait l'enfant. Ça m'a beaucoup toujours étonné. Jusqu'à 100 ans, il attendait. Il attendait la naissance d'Isaac. Il attendait impatiemment. Il attendait avec espérance. Il attendait avec foi. Il ne regardait pas sa femme, son corps qui était usé, ni le corps de sa femme. Mais il attendait impatiemment avec foi que celui qui a parlé est fidèle. Il va finir par accomplir ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce que tu vis qui doit te décourager. Ce que tu vis n'est qu'un tremplin. Ça ne veut pas dire que ça va t'empêcher de ne pas aller là où tu pars. Parce que tu peux être jugé par ce que tu vis. Mais toi-même, tu dois te juger par des attentes qui sont au fond de ton cœur. Merci Seigneur. Les gens te jugent par ce que tu es. Mais toi, tu dois te juger par les attentes qui sont dans ton cœur. Tu dis, moi j'attends. J'attends parce que les choses que j'attends ne sont pas encore accomplies. C'est pourquoi Habakkuk dit, Habakkuk 2, si cela attend, attends-la. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2, verset 1 à 3. Donc attends jusqu'à 4 même. Il faut attendre. Même si ça traîne, si ça tarde, il faut attendre. Mais ton attente doit être une attente expectative. C'est-à-dire que tu attends vraiment quelque chose. Une attente où tu dis, il faut que je touche. Il faut que j'aie la chose. Il faut que j'aie. Donc, tu attends vraiment avec espérance d'avoir, avec l'espérance de toucher, avec l'espérance d'agir, avec l'espérance de voir les choses, comme a dit Job. Job a dit, j'attends. Je veux que mes yeux moi-même les voient, pas les yeux d'un autre, mais mes yeux doivent voir. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous avons besoin de voir ce que Dieu fait au milieu de nous. Et nous avons besoin de voir nos attentes s'accomplir. Parce que l'attente du juste doit se réaliser. L'attente du juste doit s'accomplir. Il est dit dans Job, nous sommes dans Job 19, Job 19, je m'en vais au verset 27. Job 19, verset 27. Job nous dit ceci au verset 27. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Non, c'est des nôtres. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job dit, moi je le verrai. Malgré les épreuves de ma vie, malgré ce que je traverse, mais moi je le verrai. Malgré ce que je vis, malgré les épreuves de ma vie, malgré ce que je traverse, mais moi je le verrai. Voilà Job, un homme de foi. Je le verrai. Au moment où les gens parlaient contre lui, au moment où les gens disaient des choses contre lui, mais Job se disait, je le verrai. Se disait, je le verrai. Il se disait, je le verrai. Au moment où sa peau commençait à moisir ou quelque chose comme ça, mais Job disait, mais je le verrai. Au moment où sa femme disait, frère, j'ai rien Dieu, mais lui se disait, moi je le verrai. Au moment où les gens parlaient tout autour de lui, mais lui Job disait, moi je le verrai. Ça ne sera pas les yeux d'une autre personne qui vont voir, ce ne sont pas les yeux des autres personnes qui vont voir, mais ce sont mes propres yeux qui vont les voir. Bien aimé, il faut avoir l'espérance de voir tes attentes s'accomplir.
de voir tes attentes se réaliser. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Ça va se réaliser. Je te rassure. Ça va se réaliser. Ça dépend de comment tu attends. On va expliquer toutes ces choses. Parce que les attentes de juste ne sont jamais anéanties, dit les Écritures. Les attentes de juste ne sont jamais anéanties. Ce que tu attends, ça doit arriver. Ce que tu attends, ça doit se réaliser. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, quand nous regardons dans la Bible, nous allons trouver que Job attendait beaucoup de choses de la part de Dieu. Job était dans l'attente. Job attendait de Dieu. Job attendait voir Dieu opérer dans sa vie. Job attendait voir la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Job priait le Seigneur, mais il priait pour une attente. Parce qu'on ne peut pas prier le Seigneur en vain. Il faut prier Dieu avec attente. Il faut prier Dieu avec attente infinie. Il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises. Ils vont aller prier le Seigneur, mais ils n'ont pas d'attente fondée. Ils vont prier le Seigneur, mais oui, tu pries le Seigneur, mais il n'y a pas d'attente. Tu pries le Seigneur, mais tu ne le pries pas avec espérance, avec espoir de recevoir quelque chose. Avec espoir de recevoir quelque chose. C'est pourquoi Job a dit lui-même dans Job 11, verset 18, il a dit que tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu te reposeras en sécurité. Donc, ton attente ne sera pas vaine, dit Job. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu mets la confiance à l'Éternel, lorsque tu te confies en Dieu Tout-Puissant, lorsque tu crois à sa parole, la confiance, c'est quoi? C'est croire à la parole. C'est croire à ce que Dieu t'a dit. C'est mettre sous la sécurité de la personne qui t'a parlé. C'est croire que oui, c'est lui qui a dit, il va le faire. Donc tu ne doutes plus, tu ne penses plus à un secours quelque part, tu ne penses plus à un support, tu ne penses plus à quelqu'un qui va intervenir, mais tu penses à l'intervention divine. Tu penses à l'intervention de celui qui t'a dit que mets ta confiance en moi et j'agirai. Parce qu'il a dit ça dans la Psaume 37. Confie ton sort à l'Éternel, mets sa confiance en lui et il agira. Et lorsque tu mets maintenant ta confiance en lui, il commence à agir. Le problème de Dieu, c'est que tu puisses mettre ta confiance en lui. Que tu puisses mettre ta confiance à l'Éternel pour qu'il puisse agir. C'est pourquoi il dit que tes attentes ne seront pas déçues. Bien-aimé, ce que tu n'attends pas, tu ne peux pas l'avoir. Tu n'auras pas. Dieu fixe nos regards, non sur nos prières. J'aimerais bien vous dire quelque chose. Écoutez bien. Dieu fixe nos regards, non sur nos paroles que nous sortons avec des prières ou par les prières que nous prononçons. Mais Dieu fixe nos regards sur nos attentes intérieures. Je le répète. Dieu fixe nos regards, non sur notre façon de prier, sur les prières que nous avons prononcées, mais Dieu fixe les regards sur les attentes qui sont au fond du cœur. Parce que par moments, on y va demander des choses, mais qu'on n'attend pas. On demande des choses, mais qui ne sont pas ses attentes. Et on demande. Cela ne vient pas parce que ce ne sont pas tes attentes. Ce ne sont pas des attentes que toi tu as devant Dieu. Ce ne sont pas des attentes que Dieu aussi a pour toi. Et ça, c'est vice-versa. Il y a des attentes de Dieu envers toi. Et il y a des attentes que toi tu attends de la part de Dieu aussi. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, j'ai un texte à lire, celui des Actes des Apôtres, au chapitre 3. Au chapitre 3, à partir du deuxième verset jusqu'au sixième verset. Je le lis pour gagner du temps. Il y avait un homme boiteux de naissance, comporté et complacé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, regardez-nous. Il regardait attentivement.
s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Retenez bien, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Nous sommes au verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent ni l'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Voici ce qu'on dit au Seigneur. Bien-aimés, nous connaissons ce texte. Mais il y a quelque chose qui m'a touché pendant ma méditation. Cet homme, la Bible dit, il est né boiteux. On l'a mené au temple. On l'a déposé au temple pour qu'il demande l'aumône. Donc, chaque fois qu'on l'a mené, on l'a déposé au temple pour demander l'aumône. On ne le déposait pas au temple pour recevoir la guérison. Écoutez-moi bien. On ne le déposait pas au temple pour recevoir la guérison, mais on l'a déposé à l'extérieur du temple, à la porte du temple, pour pouvoir demander l'aumône. Mais on ne le déposait pas à l'intérieur du temple, où la guérison s'est manifestée, où la puissance de Dieu s'est manifestée. Mais on le déposait à l'extérieur, à l'entrée, à la porte, mais pas à l'intérieur. Il fallait qu'on le dépose à l'intérieur, où la puissance de Dieu opérait pour donner la guérison. Mais malheureusement, on dépose la personne à l'entrée du temple. Et à l'entrée du temple, on le dépose et ils partent. On viendra le chercher le soir, après qu'il aura fini de récolter ses aumônes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il voit Pierre et Jean, donc pour lui, ce sont des personnes qui lui donnent l'argent comme d'habitude, qui rentrent au temple, parce qu'ils vont avec l'argent. Donc, ils demandent l'aumône. Donc, l'aumône qu'on doit donner peut-être à l'église ou quelque part, donc on doit le donner entre ses mains. Alors, cet homme, il demande à Pierre l'aumône et Jean. La Bible dit que Pierre et Jean, l'ayant fixé le regard, l'ayant fixé le regard, la personne aussi, les boîtiers aussi, fixant aussi le regard vers Pierre et Jean. Et les Écritures nous apprennent que cet homme s'attendait à recevoir. Il s'attendait, je répète, il s'attendait à recevoir de Pierre quelque chose. Il s'attendait à recevoir des apôtres quelque chose. Donc il avait l'attente de recevoir le monde, de recevoir quelque chose. Mais ce jour-là, ce n'était pas le jour destiné pour le monde, mais c'était le jour destiné pour sa guérison. Merci Jésus. Peut-être que toi, c'est ton cas aussi. On te dépose à l'église. On te dépose quelque part, on te dépose pour m'écouter, pour me suivre, pendant que tu me suis. La nana ne peut pas Cazin. Suis un peu pasteur Cazin. Suis un peu ça. Suis un peu les enseignements et les réveils Cazin. Oui. Mais on te dépose. Mais le problème, quand on te dépose, quelle est l'attente qui est dans ton cœur? Ou quelles sont les attentes qui sont dans ton cœur? Quand on te dépose, quelles sont les attentes de ton cœur? Qu'est-ce que toi tu attends recevoir? Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu attends que Dieu opère? Quand on te dépose, quand tu écoutes la parole, quelles sont tes attentes dans la parole que toi tu as écoutée? Quand tu entends un enseignement, quelles sont les attentes de cet enseignement? Seulement ça passe. Combien d'enseignements as-tu écouté? Combien de prédications as-tu écouté pendant la semaine? Ou pendant ces mois. Mais quelles sont les attentes que toi tu as? Cet homme avait l'attente. Son attente, c'était de recevoir de Pierre quelque chose. Alléluia. Et
Pierre, pour lui, se disait, c'est l'argent qu'on va me donner. Mais Pierre dit, ce que toi tu attends là, l'or, l'argent, ce n'est pas ça ce que Dieu veut que je te donne. Mais ce que j'ai, je te le donne. Allez, lève-toi, marche. On tient la personne par les mains, on l'élève, et la personne marcha. Et la guérison est entrée. En réalité, cet homme allait au temple, on le déposait au temple pour demander le monde. Les gens qui le déposaient avec un but, celui de demander le monde. Mais lui-même, il n'avait pas l'intention, son attente, ce n'était pas le monde. Son attente, c'était la guérison. Imaginez-vous que chaque fois qu'il recevait le monde, il n'a jamais sauté, il n'a jamais dansé. Mais lorsque Pierre et Jean, alléluia, l'ont saisi par la main, en disant « lève-toi et marche », et qu'il a reçu la guérison, la Bible dit qu'il sauta, il dansa et il marcha. Voilà ce qu'il attendait. Il attendait sauter, il attendait marcher, il attendait louer, il attendait danser pour Dieu. Peut-être, tu pries, mais tu n'as pas encore l'attente jusque-là. Oh, je pars seulement à l'église. Tu vas à l'église comme l'habitude, comme tradition, comme coutume. Tu pars à l'église comme coutume, tu es juste habitué, ça devient une coutume. Oh, nous, on se connaît, nous, on est des amis, on a grandi ensemble, on a été ensemble, donc nous allons à l'église. Ça, c'est des coutumes. Mais il faut aller avec attente. Il faut que l'attente, il faut que tu ailles avec une attente. Quelle est l'attente qui est au fond de toi? C'est de recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est de recevoir de Dieu quelque chose. Tu ne peux pas continuer à aller sans attendre quelque chose. Cet homme boité de naissance, il est toujours déposé au temple contre son gré. On lui fait demander le monde contre son gré. Lui, ce n'est pas le monde qu'il avait besoin. Si ce qu'il amenait pouvait le déposer à l'intérieur, il pouvait recevoir sa guérison depuis longtemps. Mais on le dépose à l'extérieur. Oui, tu peux être à l'extérieur. Tu pars à l'église, tu vas à l'église, tu chantes, tu sers Dieu, mais tu es à l'extérieur, non? C'est-à-dire quoi? Tu vas dans l'assemblée, tu vas dans l'église, mais tu n'es pas en connexion avec la révélation de la parole. Tu n'es pas en connexion avec la révélation qui sort dans les mois. Tu n'es pas en connexion avec la révélation que Dieu donne à son serviteur. Mais tu es en dehors. Tu es en dehors du temple. Parce que n'oublie pas, la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 9, à partir du verset 7 et 9, que l'Éternel a donné une parole. L'Éternel a donné une parole à Jacob. Et cela est descendu sur le peuple d'Israël. Bien aimé, une parole qu'on a donnée, et cela va se répandre sur tout un chacun, pour amener la guérison, pour amener les miracles. Oui, je crois à la puissance de la parole qui opère maintenant. Je crois à l'onction qui va agir sur cette semaine, qui va amener l'accomplissement de tes attentes. Je crois à l'onction qui opère au long des mois de juin. Parce que c'est le mois des résultats attendus. Le mois de ce que toi tu attends. Tu as des résultats que tu attends de la part de Dieu. Bien-aimé, dans la Bible que vous voyez là, il y a des gens qui ont tellement attendu Dieu et Dieu a répondu. Il y a des gens qui ont attendu de la part de l'Éternel. L'Éternel a répondu. Que Dieu soit loué. Si tu n'as pas d'attente au fond de toi, donc spirituellement tu es mort. Spirituellement tu es mort. Parce qu'un agriculteur attend que le bon fruit se produise dans sa vie, dans son champ. Donc il attend récolter de bons fruits. Même Jésus attendait trouver les fruits dans le figuier. Il n'a pas trouvé la mode de figuier. Donc il faut attendre quelque chose. Il y a aussi les paraboles que Jésus a dit. Un homme qui avait son champ, qui attendait que le champ puisse produire. Chaque fois qu'il venait, ça n'avait, il n'y avait rien. 3 années qu'il est passé, il n'y avait rien. Et il voulait qu'on coupe l'arbre. Et le serviteur a dit, nous, donne encore du champ, de la chance. Laisse encore qu'on mette encore de fumée. Peut-être l'année prochaine, ça va produire. Oui. Combien de fois Dieu attend aussi de toi quelque chose?
quand Dieu vient à toi, il trouve que toi tu as des attentes. Quand Dieu vient à toi, est-ce qu'il peut trouver quelque chose de bon chez toi aussi? Il peut trouver des bons fruits chez toi? Les bons fruits qu'il a pu l'amener à accomplir tes attentes aussi? Le bon comportement? Les bonnes attitudes? La foi? La vie chrétienne? Une bonne vie chrétienne, une bonne conduite devant le Seigneur, devant le peuple, qui permet à Dieu d'accomplir tes attentes. Bien-aimé, ça c'est le plus grand problème que nous avons. Donc nous avons besoin de que les attentes puissent s'accomplir. Mais pour que les attentes s'accomplissent, nous avons besoin aussi, nous à notre tour, de nous conformer à l'éternel Dieu. De nous conformer au Seigneur. Parce qu'il a des attentes accomplies dans notre vie. Sinon, ça ne va pas se réaliser. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu attends? Parce que la Bible dit dans Job 11, verset 18, que tes attentes ne seront pas vaines. Tes attentes ne seront pas vaines. Donc, quelles sont les attentes que toi tu as? Quelles sont les attentes que toi tu as au fond de ton cœur? Vous savez, les lions dans la forêt, il attend attraper une proie pour qu'il la mange. Les sorciers, les diables, ils attendent aussi trouver quelqu'un qu'ils vont dévorer. La Bible dit que le diable rôde comme un lion cherchant qu'il va dévorer. 1 Pierre 5. Donc ils attendent toujours quelque chose. Voyez. Donc tu dois avoir des attentes positives au fond de toi. Des attentes qui t'aident à aller plus loin. Parce que la Bible dit que l'attente du juste, c'est le bien. Proverbe 10, verset 28. L'attente du juste, c'est le bien. Certaines personnes n'ont pas des attentes positives. Ils attendent, ah, je ne sais pas le mois, comment ça sera. Ah, c'est moi, vraiment, je n'attends, je ne sais même pas. Peut-être ça sera comme ça. Ah, son cas là, je ne sais même pas comment ça sera. Ah, c'est comment ça sera. Mais quand Job était dans le dernier souffle de sa vie, dans des difficultés où il pouvait mourir, Job a dit, le Seigneur s'élèvera le dernier. Il avait des attentes de relèvement. Le Seigneur s'élèvera le dernier. Et Dieu l'a relevé. Dieu l'a relevé. Parce qu'il avait des attentes positives. Quelles sont tes attentes? Là où les gens voient que les choses ne marchent plus. Là où les gens voient que toi tu as échoué. Là où les gens voient qu'il n'y a plus rien. Là où les gens voient que toi tu es malade, toi tu es comme ça. Quelles sont tes attentes? Parce que Dieu va te répondre selon tes attentes. Dieu va te répondre selon tes attentes. Car il a dit que les attentes des justes ne seront pas vaines. Les attentes des justes ne seront pas vaines, dit la parole du Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je vais m'arrêter par ici. Je vais m'arrêter par ici en te donnant un texte. Luc chapitre 18, verset 4 à 7. Il y avait une femme qui priait, qui demandait au juge de lui faire justice à son problème. À chaque fois que cette femme allait auprès du juge, comme le juge était un juge méchant et qui ne fait justice à personne, qui ne craint personne, même pas Dieu, donc il a laissé la femme souffrir pendant longtemps. Mais tellement la femme l'importunait. Et verset 7, la Bible dit que, à verset 56, 7, la Bible dit que, tellement que le juge a vu la façon dont la femme l'importunait, à la fin il dit, mais non, tellement qu'il m'importune, laisse-moi faire la justice à son problème. Et il a fait justice au problème de la femme. Et Jésus dit, à combien plus forte raison si le juge méchant a fait ceci, a fait cela à la femme. À combien plus forte raison Dieu le fera-t-il pas cela au juste qui crie jour et nuit pour leurs problèmes. Bien mes frères et sœurs, quels sont tes problèmes? Quelles sont tes difficultés? Quels sont les problèmes que toi tu as? C'est maintenant que Dieu va commencer à opérer. C'est maintenant que Dieu va commencer à agir. C'est maintenant que Dieu va commencer à manifester sa puissance. C'est maintenant que Dieu va commencer à faire quelque chose. Je t'invite dans ce jour de prendre le temps de se tenir devant le Seigneur. Le temps de se tenir devant le Seigneur parce qu'il est un Dieu qui répond aux problèmes. Il est un Dieu qui répond aux difficultés. Quelles sont les attentes que tu as? Tu peux les écrire. Tu commences à les présenter à Dieu pendant ces 5 jours.
Il sait que tu as vécu la solution, tu as expérimenté la solution, tu as expérimenté la puissance de Dieu. Parce que les attentes ne seront pas décides. La Bible dit dans le Psaume 38, verset 16, quand vous lisez avec ses mères, la Bible dit que c'est sur toi que je compte. Dieu, c'est sur toi que je compte. Et quand on compte sur Dieu, Dieu réalise les choses. Lui, c'est qu'on dit que j'espère en toi. Lui, c'est qu'on dit que c'est sur toi que je compte. Sa mère dit que mes attentes, c'est sur toi. Donc, qu'est-ce que toi, tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse de toi? Que Dieu soit loué. Job a dit dans Job 29, verset 21, écoutez ce que Job a dit. On écoutait, on restait dans l'attente, on gardait le silence. Job dit, on écoutait, on restait dans l'attente et on gardait le silence. Oh, merci Seigneur. C'est Job 29, verset 21. On écoutait, on était dans l'attente et on gardait le silence. Quand on attend quelque chose, on garde le silence et on écoute. On garde le silence et on écoute. On est attentif à ce que Dieu dit au travers des prédications, au travers des serviteurs. Peut-être Dieu viendra avec une parole qui me concerne. Peut-être Dieu viendra avec une révélation qui me concerne. Donc on écoute attentivement et on garde le silence parce qu'on a des attentes. Quand on a des attentes, on écoute attentivement, on garde le silence parce qu'on a des attentes. Parce qu'on a des attentes. Et peut-être Dieu pourra parler. Et si je reçois une révélation, c'est avec cette révélation que je vais prier. Bien-aimé, moi j'ai prié mon Dieu. Il m'a dit, mois de juin, pour ceux qui te suivent, pour ceux qui croient à ton ministère, pour ceux qui croient à ton Dieu, c'est le mois des résultats attendus. Quelles sont les attentes que tu as de la part de Dieu? Parce que Dieu a dit, tes attentes ne seront pas vaines. Quelles sont les attentes que toi tu as? Tu peux commencer à présenter ça à l'Éternel. Ensemble avec moi, pendant 3, 4, 5 minutes, présentons nos attentes à l'Éternel. Et le Seigneur Dieu va s'occuper du reste. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je viens à toi parce que tu es un Dieu qui accomplit nos attentes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie en ce moment, mon Père. Je te prie en ce moment, mon Seigneur. Je te prie en ce moment, mon Dieu, mon Roi. Je te prie en ce moment, Créateur des cieux et de la terre. Oh Jésus, je te prie, Père éternel, toi qui accomplis nos attentes, Père. Toi qui accomplis nos attentes, Seigneur. Toi qui accomplis nos attentes, Seigneur. Toi qui accomplis nos attentes, Seigneur. Je viens à toi, notre Dieu. Je te prie, mon Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Oh Dieu, toi qui accomplis les attentes de ton peuple, Seigneur. Je t'appelle, mon Dieu, accomplis les attentes de quelqu'un, Seigneur, qui m'écoute en ce moment. Quelqu'un qui attend, Seigneur, quelque chose de toi. Quelqu'un qui attend ton intervention. Quelqu'un qui attend, Seigneur, ton secours. Quelqu'un qui attend, Seigneur, de toi quelque chose. Éternel Dieu, maintenant, je t'appelle Père. Je t'appelle Père. Je t'appelle Père. D'accomplir, Seigneur. Oh Dieu, toi qui accomplis, Seigneur, ta volonté sur ton peuple. Toi qui accomplis ta volonté, Seigneur, sur nous. Mon Dieu, mon roi, je te prie, Père éternel, d'accomplir nos attentes. Nous attendons de toi beaucoup de choses, Père. Nous attendons de toi beaucoup, notre Dieu. Nous attendons de toi beaucoup, notre Seigneur. Nous attendons de toi beaucoup, notre Dieu. Mon Dieu, mon roi, je retourne vers toi, Tout-Puissant. Je viens encore vers toi, mon Dieu. Oh, Père éternel, tu connais les besoins de mon cœur. Tu connais les désirs de chacun. Tu connais les attentes de mon frère et de ma sœur. Tu connais mes attentes, mon Dieu. Je te prie, Père éternel, d'accomplir mes attentes. D'accomplir mes attentes. C'est là ce que toi tu m'as promis. C'est là ce que toi tu m'as dit. C'est là ce que toi tu veux accomplir avec moi. Oh Dieu, je viens à toi, Seigneur. Toi qui relèves ceux qui sont tombés. Toi qui relèves ceux qui sont dans l'abattement. Toi qui fiches tes regards, c'est ceux qui pleurent, qui gémit. Éternel Dieu, fiche tes regards. Il sait là qui pleure. Il sait là qui dort. Ils sont là qui sont en difficulté. Relève chacun de nous, Père. Relève chacun de nous, Père. Oh Dieu de majesté. Oh Dieu de fidélité. Je viens à toi, Père. Parce que tu es le souverain. Parce que tu es le roi. Et
Éternel Dieu des armées, relève mon Dieu, relève mon Dieu. Viens Père, parce que toi tu réponds aux attentes de ton peuple. Tu réponds aux attentes de ton peuple. Tu as dit les attentes d'Égypte ne sont que bien. Les attentes d'Égypte n'est que bien Seigneur. Les attentes d'Égypte n'est que bien Seigneur. Toi tu as dit, les attentes d'Égypte ne seront pas anéanties. Son espérance ne sera pas vaine. Tu n'as pas dit au fils de Jacob de te chercher en vain, mais tu as dit qu'il te cherche parce que tu avais quelque chose à leur donner. De même, Seigneur, tu m'appelles de ne pas venir en vain, mais tu m'appelles parce que tu as quelque chose à me donner, parce que tu as quelque chose à faire avec moi. C'est pourquoi, Père, je retourne vers toi. Oh, le souverain, oh, le Dieu de grâce, oh, le Dieu de paix, toi qui as quelque chose à donner. Toi qui as quelque chose à donner à tout un chacun de nous. Mon Dieu, je te prie. Mon Dieu, je te prie. À ce moment, Père, tu vois, mon Dieu, mon Seigneur, mes attentes au fond de mon cœur pour l'avancement du royaume. Mes attentes, Père, pour le Seigneur des âmes. Mes attentes, Seigneur, pour l'avancement du royaume. Mes attentes, Seigneur, pour le progrès du royaume. Mes attentes, Seigneur, pour le salut des âmes. Mes attentes, Seigneur, pour la santé. Mes attentes, Seigneur, pour mon épouse. Mes attentes, Seigneur, pour mes enfants. Mes attentes, Seigneur, pour le ministère. Oh Dieu de souveraineté. Oh Dieu de grâce. Tu me connais mieux que moi-même. Tu m'as fait ramasser, Seigneur. Oh Dieu, sous les ponts. Tu m'as dit, conduis ton avion. Allez voir comment ça distribue l'eau pour aller libérer ceux qui sont captifs. Mon Dieu, mon roi, tu ne m'as pas menti. Tu m'as dit d'aller, Seigneur, pour sortir ceux qui sont captifs. Oh, qui étaient retenus, mon Dieu, dans des prisons, dans des îles. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, je t'appelle. Je t'appelle, Seigneur, en accord avec cette alliance que tu as conclue avec ton serviteur, de venir vers moi, Seigneur, que tu as conclue avec moi, de venir, mon Seigneur. Mon Dieu, je t'appelle. Mon Dieu, je t'appelle. Descends pour accomplir. Descends pour accomplir. Descends pour accomplir. Oh, réponds, Seigneur. Oh, réponds, Seigneur. Souviens-toi, Père éternel, de ton appel que tu m'as lancé au 18 décembre 91. Mon Dieu, je t'invoque. Mon Dieu, je t'invoque. Je te rappelle ce que toi tu m'as dit, de conduire l'avion, d'aller disperser dans le monde. Tu m'as dit, Seigneur, d'aller libérer ceux qui sont dans des îles, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont captifs. Mon Dieu, tu ne m'as pas menti. Tu m'as parlé clairement. C'est pourquoi je t'appelle Père éternel. En ce moment, toi le Dieu de l'Alliance, toi qui n'appelles pas quelqu'un de te chercher en vain. C'est pourquoi je dis au Dieu, en ce moment, au cours de ce mois, Père éternel, tu te manifestes. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Accomplis mes attentes, Seigneur, par rapport au désir du royaume. Accomplis mes attentes, Seigneur. Accomplis mes attentes, Seigneur. Car toi, tu connais mon cœur pour le royaume. Tu connais mon âme pour le royaume. Tu connais mes pensées pour le royaume. Accomplis. 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 Accomplis les désirs. Accomplis les désirs. Accomplis les désirs de mon cœur. Les désirs de mon âme. Les désirs de mon esprit. Les désirs, Seigneur. Accomplis, Père. Accomplis, Père. Accomplis, Père. Pour mon frère, pour ma sœur, pour celui qui me suit à ce moment. Accomplis, Père. Accomplis, Père. Accomplis, Père. Accomplis les désirs. Accomplis les désirs. Au nom de Jésus-Christ. Mablakasakaria Baba. Yablakasakara Baba Baba. Yebrekoshikaria Baba Baba. Sois béni, sois loué. Sois glorifié, sois magnifié. Sois sanctifié, sois loué. Sois adoré, mon Dieu, mon roi. Merci, Père. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Alléluia. Maintenant, élève le Seigneur. Élève le Seigneur pour ce qu'il a fait. Bénissez Dieu pour ce moment. Bénissez-le par la foi. Bénissez le Seigneur anticipativement par rapport à ce qu'il a fait pour toi, par rapport à tes attentes. Commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Shabroko Sakaria Baba. Sabra Barako Shabrako Sakaria Baba. Eya Brakatako Sakaria Baba. Meria Brokotoko Sakaria Baba. Je te lève, mon Dieu. Je te loue, mon Seigneur. Je te bénis, Créateur. Je te glorifie, Dieu de grâce. Oh, le souverain, le souverain, le souverain, le souverain. Oh, tu es digne, mon Père. Tu es digne, mon Père. Tu es digne, mon roi. Tu es digne, mon roi. Tu es digne, mon Seigneur. Tu es digne, mon véritable Dieu. Alléluia. Shabroko Sakaria Babroko Dokosa. Nariakoroko Sakaria Bararoko Sakaria Baba. Azabreko Toko Sakaria Bararoko Sekeria Baba. Rikoria Karako Sakaria Baba Nako Seki. Naria Koroko Sakaria Baba Rako Sei. Anakoria Manako Sakaria Babroko Dokosa. Alléluia. Shebreko Sakaria Baba. Zindaria Koroko Sakara Baba.
Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci parce que tu réponds. Merci parce que tu agis. Sanctifie-toi. Glorifie-toi. Magnifie-toi. Exalte-toi. Sois adoré, sois loué. Sois glorifié, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Levez les mains à l'air, je vais prier. Éternel Dieu, tu connais les désirs de chacun. Tu as dit dans ta parole, tu n'as pas appelé les enfants de Jacob en vain, ne te cherchais en vain. Tu as dit dans ta parole, les désirs des justes ne seront pas vains. Tu as dit, tes attentes ne seront pas vaines. Et toi, Dieu, tu as dit, tu accomplis les désirs des justes. Et les attentes des justes seront accomplies. Dieu Tout-Puissant, combien les gens attendent de toi quelque chose? Combien les gens cherchent de toi quelque chose? Mais il est dit, toi, tu es un Dieu qui agit au-delà de ce que nous demandons, au-delà de nos attentes, au-delà de nos pensées. Éternel Dieu, nous te prions, Seigneur, au long de ce mois de juin, de répondre selon nos attentes, de répondre selon nos désirs, de répondre selon ce que nous pensons, ce que nous attendons de toi. Car toi, tu as dit, les désirs des justes ne seront pas vains. Dieu Tout-Puissant, qui connaît chacun ce qu'il attend de toi, réponds, réponds, réponds mon Père, et nous allons témoigner ta grandeur. Que ton nom soit béni infiniment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore grandement, grandement. Et qu'il vous soutient en tout et surtout. Et surtout qu'il vous assiste encore en toutes choses. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons encore amen, amen et amen. Soyez bénis. Rendez-vous encore à demain. Que Dieu vous bénisse grandement. Merci.